Salut à tous! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo pas du tout comme d'habitude parce que je suis pas dans mon salon. Je suis dans ma cuisine. Oui, les gars de chantier sont en train de refaire mon balcon, donc du coup je peux pas y aller parce qu'ils m'ont demandé de baisser le store. Donc du coup il fait nuit noire là-bas, donc je peux pas filmer. Et puis je tenais vraiment à faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'après je pourrais plus. Enfin bref, vous avez vu mon changement capillaire? Il est éphémère, hein, je préfère préciser parce qu'il y en a plus d'un qui vont détester. J'ai fait une coloration bleue, je préfère préciser parce que je me suis lavé les cheveux qu'une seule fois puis ça a carrément dégorgé, ça se voit quasiment plus. Donc c'est pour ça que c'est vraiment éphémère parce qu'au bout de 3 ou 4 shampoings à mon avis je vais récupérer ma couleur naturelle. Non pas naturelle, mon blond. C'est un peu de la connerie leur truc mais bon. Tu payes 8 € et au bout de 3 shampoings il n'y a plus rien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas une vidéo comme d'habitude parce que je vous invite dans mon intimité à partager 2 petites journées avec moi. Je sais que d'habitude ça plaît pas ce genre de vidéo là parce que j'en ai fait que 2. Sur ma chaîne je crois et puis c'était 2 fois des gros flops. Mais c'est pas grave parce que moi ça me fait plaisir alors je le fais. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, j'habite en Haute-Normandie et juste à quoi 5 minutes de chez moi, il y a la foire qui s'est installée et du coup on en a profité pour y aller. Et j'en ai profité pour filmer quelques petits moments de cette sortie. Chercher mes bois. Donc la première fois on y est allé avec mes filles et mes parents. Et la deuxième fois on y est allé avec mon chéri. Vous allez enfin pouvoir le voir, mais très furtivement, ou pas, je sais plus. Enfin bref, en plus il est pas à son avantage parce qu'il était pas rasé, il était pas coiffé, il était habillé, je sais pas même pas comment. Enfin bref, il était vraiment pas à son avantage, mais c'est pas grave. Alors faut pas lui dire surtout, ne lui dites pas, parce que sinon je vais me faire tuer. Déjà quand je mets une photo de lui sur Facebook, c'est la fin du monde, alors s'il apprend qu'il est sur YouTube, oh, je vais me faire trucider. Dites rien, c'est notre secret, hein, s'il vous plaît, hein. Dites rien. Je tiens à ma vie. Je déconne. Il est pas méchant, pas du tout. Moi je dis ça, mais en même temps, je lui ai demandé s'il aimerait bien faire une vidéo avec moi, et puis il m'a pas dit non. Donc, un de ces jours, vous allez voir une vidéo avec lui. Je sais pas ce que je vais lui faire faire encore, mais il y aura certainement une vidéo avec lui. Après, j'ai un peu peur parce que c'est le genre de bonhomme qui aime bien faire des blagues salaces. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui regardent mes vidéos sur YouTube, donc j'ai un peu peur. Au pire des cas, dans le titre, quand la vidéo arrivera un jour. Dans le titre, je mettrai vidéo censurée interdite en moins de 18 ans. Parce que déjà, moi je suis très vulgaire et lui il fait des blagues salaces, alors c'est mort là. C'est mort. C'est plus possible. Bon, bref, trêve de blabla parce que j'ai fait trop de blabla et c'est lui, ça va être encore une vidéo interminable. Qu'est-ce que je suis chiante, c'est dingue ça. Wow. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Moi je vous quitte tout de suite et je vous retrouverai dans une autre vidéo. Hein? On fait comme ça? Allez, plein de gros bisous, à très bientôt. Allez les jeunes, rentrez-vous bien en haut. Bien, allez bien, rentrez dans les bandages. Venez, 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 venez. Bonjour, bonjour, bonjour.
peur pour Jade en fait. Voilà, tête à part en arrière. Les papilles, mamie, sont contents. Direct de la foire, on va bien s'amuser. Hein? Non? Elle le sait. Hein? Non, non, mais ça commence pas encore. Mais je suis trop petite, quoi. Enfin, je suis trop grande. Et mes genoux, ils touchent la barre. Et il y a papa et nain en face. Yo!
Un manège en famille. C'est parti pour un tout petit tour en douceur pour mon Le Mans. Il est déjà 10h du soir, c'est l'heure de rentrer. Au revoir la foire. En plus c'est à cette heure-là qu'on fait. C'était bien quand même? Ouais? Tu veux voir ce que t'as gagné? Ton doudou? Ouais. Filouna? La reine des neiges. Mais c'est moi qui l'ai gagné. Ouais, c'est Luna qui a tout gagné. C'est comment que ça s'appelle les trucs? Je sais pas. Ça, c'est les machines à tirer là, tu vois quoi? Tu sais plus comment ça s'appelle?
Elle a une chance de caucus hallucinant, elle a tout gagné quoi. Et elle est gentille, elle en a donné un à Jade. Elle a donné le plus gros à Jade. Mais puis avec ta sucette toi. Bon bah maintenant on dit à l'année prochaine hein. Johanna.